spectacle Chemin des métaphores, c'est parti de plein de choses différentes, mais une des choses que moi, ça m'a beaucoup porté, c'est l'effet de prendre son temps. J'avais besoin moi-même de prendre mon temps, j'avais besoin aussi de dire à ma fille de prendre son temps. Eh ben, c'est bizarre. Les deux flèches, chemin rapide et chemin lent, elles vont vers la même direction. C'est le même schéma. À chaque fois que je fais un spectacle, je me base sur les choses que je suis en train de lire au moment que je suis en train de créer. Et là, il se trouve que j'étais en train de lire beaucoup de livres pour enfants avec ma fille le soir. Et du coup, je voulais un spectacle qui soit dans cet esprit-là, des contes pour enfants. En fait, je suis musicien de la compagnie. On travaille ensemble depuis trois spectacles. Pardon. Les deux autres spectacles précédents, je joue en direct la musique, mais là, tu l'as pas vu, mais j'ai tout un mécanisme à faire tourner et tout ça, donc je n'ai pas pu jouer en direct la musique. On a travaillé pour avoir une belle chorégraphie tous les deux, pour que le manège tourne fluidement. J'ai aimé les personnages et la poésie. L'acteur, le manipulateur, comment il joue aussi. Il est dans ses personnages et voilà, il communique beaucoup de choses, en particulier effectivement ce jeu qu'il a, qu'il embarque tout le monde. Hein. Si, imaginons que je mets de la colle sur le papier ici. Si à un moment donné j'ai oublié ou je ne bois pas et il y a un petit endroit sans colle sur la marionnette, ça va rester comme une boule d'air. Toi verte, pousse bio, fane-toi et repousse encore. Tu es une salade phénix, ma fille. Avec ou sans puceron, tu renaîtras chaque lune. Voilà, donc Castle is not dead est un spectacle de marionnettes à Gaines qu'on vient de créer à la compagnie Arnica à partir d'une idée de créer un spectacle de plein air qui peut s'adresser à un public familial. Et qui reprend l'idée du Castelet de Jardin qui a été développé par les marionnettistes depuis très longtemps. C'est-à-dire un spectacle avec des séquences qui parlent de l'actualité, de choses qui se passent en ce moment, et avec un ton un peu à la fois, j'ai envie de dire, à la fois idiot et intelligent. Ce qui est intéressant avec les textes de ce répertoire de la marionnette à Gaines, notamment de Duranty, c'est que on se rend compte que c'est des textes qui évidemment sont complètement connectés avec leur époque, donc avec des figures, voilà, des fonctions liées à l'époque, etc. Et dans les histoires d'aujourd'hui, avec de la marionnette à Gaines, qui est donc un art traditionnel, on va dire, de dire tiens, si on racontait des choses d'autant plus d'aujourd'hui qu'elles sont futuristes, qu'elles parlent de technologie, qu'elle parle de notre rapport au futur, donc ça veut dire, je sais pas, la science, le transhumanisme, les nouvelles technologies... S'éloignent les unes des autres. Mes pieds dépassent la ligne d'horizon, je les perds de vue, pas un mètre carré. On est dans le vestiaire donc d'une athlète de 800 mètres et c'est qu'est-ce qui se passe dans son corps et dans sa tête avant qu'elle rentre pour faire sa compétition. Et donc nous on va pouvoir voir à travers la vitre comme on pourrait voir à travers un miroir ce qui se passe chez elle à ce moment-là. Mais malgré en fait cette souffrance en fait qu'on peut avoir, cette douleur au sein de la course, et ben on atteint en fait cette sensation donc, du coup, de liberté. Enfin, moi je trouve que le texte est super intéressant sur le rapport entre l'effort physique et le travail salarié comme espace d'oppression du corps. Images
de l'Élysée en feu ont fait le tour des réseaux. Mais y a-t-il un projet politique derrière tout ça? Ça, ça nous pousse à sortir des systèmes d'exploitation. Alors je vous donne nos pas si vous tournez de plan. Anthropologique surtout, c'est un rebond, on lance la balle à Descola, pardon, quand même. Hein. Pas que, c'est basé sur la pensée Descola, parce que Pignocchi, enfin c'est adapté des Pignocchi. En fait c'est que Pignocchi, mais au départ c'est l'œuvre américaine, c'est pas qu'il est revenu, c'est imaginer que la pensée, en fait avant Descola, il y a un peu de l'âge. J'ai beaucoup écouté les idées du spectacle et puis aussi beaucoup regardé les réactions du public dans l'état actuel des choses et du monde. Mais c'est plutôt bien qu'une équipe super dynamique emmène les gens vers le sourire, vers la mobilité, vers les idées complètement farfelues. On a commencé par couper l'homme de la nature et par lui opposer notre concept de culture. On a cru ainsi oublier qu'avec nos cerveaux de mutants, on a beau dire et faire semblant, on fait bien partie du vivant. Yeah. Oh là là. Merci. Papa.